Et bonjour les cuistots, nous revoilà pour un basique, un risotto. Donc aujourd'hui ça va être le risotto aux légumes verts. Donc pour ça on va avoir besoin de 300 g de riz, donc un peu d'huile d'olive, 120 g de parmesan râpé, un oignon, 20 cl de vin blanc, du sel, du poivre, un bouillon de légumes, un bol avec des petits pois et une botte d'asperges. On va commencer par s'occuper des légumes. On va garder les têtes des asperges, couper le corps et enlever la queue. On met un peu d'huile d'olive dans une casserole pour faire revenir les asperges. Donc on s'occupe de l'oignon. Et on va s'occuper du bouillon de légumes. On prend 1 litre d'eau chaude. Et on émiette le bouillon dedans. Et on touille et on touille. Notre oignon commence à être transparent. On va mettre le riz. Jusqu'à ce qu'il devienne transparent, lui aussi on le remet sur le feu. Il commence à être transparent, on va déglacer au vin blanc. Quand les asperges sont cuites, on va les réserver. Et là on va mettre les têtes plus délicatement. Ça n'y avoir quasiment plus de jus, on va ajouter le bouillon en 3 fois et en laissant gonfler le risotto. Nos têtes d'asperges sont cuites, on les réserve. Donc toujours pareil, on a quasiment plus de liquide, on va continuer à ajouter le bouillon. Quasiment plus de liquide, on rajoute la dernière partie du bouillon, la casserole commence à devenir lourde. Alors, le riz est prêt, donc on est d'accord qu'un risotto ça doit être un peu crémeux, donc j'ai fait exprès de laisser. On va rajouter le parmesan. On rajoute un peu de sel et de poivre. Et on va mettre nos légumes verts. On garde les asperges pour la déco et on est prêt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu vas te régaler ainsi que tout ton entourage. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, refaire les vidéos, appuyer sur la petite cloche, appuyer sur le pouce bleu et à bientôt.